Salut les amis, c'est Jerem. Alors, aujourd'hui nous faisons une petite review sur l'annonce de Games Workshop. On est bien le mardi 7 mai. C'est encore une fois une augmentation de prix. Je trouve ça inadmissible pour une boîte qui augmente considérablement. Le prix des figurines, c'est constant. Même si c'est pas énorme, hein, c'est constant, franchement. Je ne sais pas si c'est les actionnaires Amazon ou je ne sais pas quel effet ce genre de choses peut faire, mais non, en fait, c'est juste pas possible. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est juste inadmissible. Ça va, à un moment, ça va devenir inabordable. On va être d'accord 5 minutes. Ils ont le droit de gagner leur vie, mais je pense qu'ils gagnent déjà assez bien leur vie. Alors, même si l'augmentation n'est pas énorme, hein, alors ils disent bien 3% et 5%. Ouais, mais ça fait quand même un euro de plus, hein. Quand vous prenez un bouquin qui coûte, allez, je dis une bêtise, un codex, ça doit être entre 40. Ça doit être, ouais, un codex, ça dépasse les 30 euros. Vous achetez votre codex, il n'est pas à jour, les points sont pas à jour. Et en plus, derrière, ils se permettent d'augmenter. Je trouve ça ridicule, en fait. Voilà. Juste, c'est un petit coup de gueule. J'en pousse pas souvent, mais là, je le fais parce que voilà, il faut, c'est obligatoire. En lien, en description, il y a une vidéo qui explique un peu plus. Voilà, elle est non répertoriée pour pas, voilà. Mais allez-y, jetez-y un petit coup d'œil et dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu. Voilà. Je pense que je vais en arrêter là parce que je réagis à chaud et c'est jamais très bon de réagir à chaud, les amis. Je vous laisse. Abonnez-vous. J'en fais pas énormément, je vous en promets. Je promets, j'en ferai pas d'autres. Allez, à la prochaine.